Et ça tout le monde, c'est Temps de récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 25 de notre aventure 100% sur Diablo Reaper of Souls. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, les amis, je vais très bien. On avait, souvenez-vous, commencé l'acte 5 dans lequel on s'était rendu dans une genre de crypte, les amis. Mais j'avais oublié que dans Diablo, quand on éteint la partie... Le souci, c'est que quand on n'a pas de point sauvegarde, ben, tout s'enlève. En fait, en gros, plutôt tout ce qu'on a fait, enfin, pas tout ce qu'on a fait, mais presque, quoi. Donc, du coup, ben, on va devoir, pas refaire, mais un petit peu, quoi. Si, quand même, on va devoir refaire un petit peu ce qu'on avait fait. Souvenez-vous, on avait réussi à avoir pas mal de niveaux de Paragon. On avait atteint le niveau 70, qui nous avait, du coup, ouvert les niveaux de Paragon. Et donc, du coup, ben, écoutez, aujourd'hui, on va tout simplement commencer. Qui est responsable de cette gabegie? Ce sont les pauvres. Alors, c'est pas s'il faut parler à tout le monde, j'imagine que bien. Encore, donc. On est resté pour combattre, Robert et moi. Mais il est mort. Et quand ils ont commencé à le déchiqueter, j'ai paniqué. Je me suis enfui. Vous n'avez pas à avoir honte. Vous n'auriez rien pu faire pour lui. Oh, je veux juste regarder si ça enregistre bien. Ouais, ça enregistre bien. C'est normal, ça lag un peu. C'est juste que je vais éteindre certains trucs qui sont ultra chiants. Voilà, normalement ça devrait remarcher. Normalement, si je dis pas de conneries. Allô? Pourquoi j'arrive pas à accéder au jeu? Enfin, j'attends le son du jeu, mais j'arrive pas à accéder au jeu. C'est bon, je crois que ça lag un peu, c'est normal, hein, le temps que j'éteigne tout. Oh lolo, pourquoi ça fait ça? Oh lolo. Oh, mes performances sont du mal, hein. Oh, what the fuck? Bah alors? Je comprends pas, pourtant j'ai tweeting. Fin de tâche, ça serait bien ce truc. Fin de tâche. Voilà, normalement ça a l'air d'être bon. Désolé de cet épisode là, début catastrophique. Allez, s'il te plaît, marche. Ça va. Ah, enfin. Est-ce que ça marche ou pas? Ça lag de ouf. C'est pas normal que ça fasse ça. Honnêtement, je dois éteindre l'ordinateur et le rallumer, je crois. Ouh! Voilà! Bon, c'est un peu mieux. Presque. Pourquoi je vais là comme ça? C'est what the fuck cette histoire? Pourquoi ça me fait ça, putain? Ça me faisait pas ça dans l'épisode précédent, je comprends pas. Aïe aïe aïe, c'est en train de me péter les couilles. On va faire fin de tâche, hein. Allez, allez. Il me faut vraiment de la mémoire, hein. J'éteins ma page de Google, on va voir si ça marche. Oh là là. C'est bon. Une héroïne arrive enfin pour nous. Ma bibliothèque n'est pas loin d'ici. J'étais en train de fermer la boutique quand j'ai entendu qu'on se battait. Oui, ok. Vous connaissez la légende du tombeau de Rakis, j'espère. Son emplacement n'a jamais été découvert. La plupart des érudits pensent qu'il est enfoui sous Westmarch, mais je gage qu'il se trouve en dehors de la ville. Il ne faut pas oublier que Rakis n'était pas un imbécile. Ok, bah parce que du coup en fait on avait créé un portail et le portail bah du coup a disparu, super quoi.
J'avais oublié qu'il fallait impérativement faire ce que ça. Écoutez, que voulez-vous? Que voulez-vous? Templier. On va inventer la compétence. On avait déjà mis quelques petits trucs, donc on est tranquille. Pourquoi les anges nous attendez, avant de faire quoi que ce soit, on est à côté. Comme ça on est tranquille. Et du coup, bah c'est parti. En fait, c'est randomisé, j'ai l'impression, le truc. Je n'ai pas trouvé Mantaël à Sanctuaire. Par contre, il y avait des humains en bien trop grand nombre. Ils se nuisent et s'entretuent les uns les autres et laissent leur frère les autres. Si leur véritable puissance venait à leur côté, nous serons tous malheureux. Oh putain. Wow. C'était sans effort. Nouvel événement. Ouvrez le bon corps. Ouais, ça nous fait. Pathétique descente. Oui, c'est tellement grave. Si c'est ceci, c'est que je suis mort et que vous êtes venu faire ma part sur ma fortune, et bien vous pouvez. Alors, je vais. C'est... Oh oh. Oh oh, on va mourir là. Je vous laisse vous savourer le restant de vos émotions. Pas assez de plus. Et voilà. Donc, évidemment, le but est d'augmenter un peu nos niveaux de paragon. What the fuck? Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu 31 000 de gold. What? Mon dieu, mon dieu. C'est même mieux avec lui en fait. Moins de robustesse, mais récupération et des dégâts, donc on va le faire. Comme Diablo avant lui, nous combattons pour tout ce qui est juste. Nous ne pouvons pas perdre. Demain, je suis dégoûté. Je suis dégoûté que ça soit un truc à demain quand même, hein. Mais bon, tant pis, on assume. Allez, du coup, on va aller ailleurs. Donc là, cette fois-ci, on va le finir aujourd'hui, hein, je vous le dis. Enfin, on va aller jusqu'au point de sauvegarde, donc... Alors, on va tenter également de faire monter nos niveaux de paragone. J'aimerais au moins être 15 aujourd'hui. Ce serait cool, enfin je sais pas si on va y arriver parce que ça nous demande tellement d'XP maintenant. Il y a un XP augmenté de 25%. Et il y a des coffres de partout. Putain. Wow, on obtient un milliard de choses. Ok. Oh putain. Désolé, mais... Bon, on va pas le mettre pour lui parce que ça enlève trop de choses. On va pas le mettre. Oh. Désolé, toi. Désolé, toi, mais... Tu vas le mettre. Ça me sera utile. Ça, c'est un truc à une main. Ça peut être bien peut-être pour nous, peut-être enfin, on verra. Nouvelle Transmo. Oh, je suis dégoûté, c'est une arme de merde. Et même si on met un truc de dégâts, ça sera une arme de merde, donc... tant pis. Hop, let's go. Quand on range un peu l'inventaire, c'est beaucoup mieux, hein.
pas testé. Wow, un milliard de personnes. Ouais, faut faire attention parce que c'est électrique, hein, donc... Yes. Ok. 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 Là-bas, il y a la porte. Bon, on va aider les amis par là. Oh, attendez, la porte armure. Tout est de la faute de Justinien. Quel roi il fait. Allez, toi. Allez. Ne pas se mettre ici. Voilà, ne pas se bloquer. Il y a du monde là. Il y a beaucoup de monde. Oh. Un vrai massacre. Alors, on est bientôt passé niveau 11 de Paragon. Je pense qu'on va peut-être même le passer maintenant. Niveau 11 de Paragon. Oh yeah. Alors du coup un point disponible. Toutes les résistances, point de vie. On va mettre un point de vie, ça serait peut-être un peu mieux. Alors du coup, demain ça sert à rien quoi. Demain désolé, mais là les gars, demain, c'est chiant quoi. Fais attention. Ok. Alors évidemment, quand on gagne des niveaux de Paragon, ça augmente également nos points de vie et tout, hein, vous imaginez. C'est beaucoup mieux, hein. Pour augmenter les difficultés, c'est toujours mieux, hein. Le porte-armure, ça. C'est bien, on va pouvoir débloquer l'autre onglet de trucs. C'est ouf, on est à Tourmente 3 maintenant, ça va rien dire. Et encore, on va bientôt pouvoir augmenter de difficultés. Je pense qu'on peut au moins se mettre en Tourmente 4, hein, j'ai juré. Je pense qu'on peut au moins se mettre en Tourmente 4 pour le mode aventure. J'aimerais bien savoir un petit peu à quoi ça la donne. Donc voilà, à quoi va donner. Merci de nous avoir aidés, mais ce n'est pas fini. Le roi nous a abandonnés. Si vous ne me croyez pas, lisez ceci. C'est son journal personnel. Où avez-vous trouvé ça? Eh bien, disons juste qu'il vient de quelqu'un qui se soucie du petit peuple. Oui. On croira pas comme ça, mais à mettre tout ça. À enlever tout ça, ça peut être bien. Allez, on y va. Je dois trouver la fureur. Non. Dès que ça sera plein, il faudra impérativement les vider. C'est une de partie quoi. C'est une dinguerie. Ah mais la suite est par là-bas. Ouais mais attendez, on n'a même pas visité... On n'a pas fini de visiter tout le reste. On va d'abord visiter tout le reste quand même. Le stade volé. Qu'est-ce que c'est? Chercher les tueurs de la cour de Walton. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah oui, il y aura un cadavre dedans qu'il faudra lever et ça sera ça, non? Ah non, parce qu'il y a... D'accord, en fait, il y a une suite là-bas. J'ai pas vu, ok. Sorry. Encore des morts? Non, pas du tout. Non, on croirait pas. À mort les nobles!
À mort les nobles! Qu'est-ce qui se passe? C'est la révolution. L'heure de faire chuter nos oppresseurs a sonné. Le roi est en ville, mais nous allons lui tendre un piège. La ville se fait attaquer. Et vous voulez tendre une embuscade au roi? Vous êtes fou. Comment? Ah, tiens, mon bébé, tu m'as fait peur. Eh bien, mourrez oh, bah... tous nos ennemis alors. Oh, ok. Oh my god, ok. Je n'ai pas encore plus de fureur. Ça serait bien de... Voilà. Niveau 12 de Paragon. Nous sommes très heureux d'apprendre que vous avez localisé un régiment. Dégâts de zone. Rayon de ramassage d'or, envie par coup, dégâts de zone. Sauver la vie. Oui, dégâts de zone, c'est mieux. Nous n'ignorons rien de vos différends avec la couronne, mais il me plaît de constater que vous avez su les mettre de côté en cette heure périlleuse. Longue vie à l'ouest marche, usage. Ok. Je me pose la petite question. En fait, je suis dégoûté parce qu'avant on pouvait augmenter la difficulté en cours de partie. Je trouve ça con en fait. Je trouve ça con à ce fait, mais bon, tant pis. J'étais un soldat de l'Ouest Marche. Le combat court dans mes rêves. Il faudra bien trouver aller. C'est l'idée. Oh, oui, vous vous réveillez à mon avis. C'est 100% logique. En fait, il faut impérativement qu'on visite les autres. Okay. Bah, la suite est par là. C'est sûr que la suite est par là. Donc on va aller de l'autre côté. Bon ça va, finalement on commence à plus prendre autant cher. Au contraire, vu qu'au 410 000 points de vie on a 410k. What the fuck. Ah ouais, d'accord. What the fuck. On va d'abord aller là, hein, priorité. Après, sachant qu'on a également là-haut. Bon, on a tellement de choses. On a tellement de choses. Ouais. En fait, on va tellement pouvoir débloquer tous les onglets qu'il faut. What? Ok. Allez où? Ok, on a encore une petite là-haut. Pas assez de fureur, ben si. Même la fureur, on est à 112, ça va, on est tranquille. Oh god, on est les protéger, les survivants. Vite, dégage. On est bien, y avoir un méga boss. L'attaque d'entrepôt, d'accord. Tué par le capitaine. Nous sommes ici depuis des jours. Ces pauvres gens ne tiendraient guère plus longtemps. Il y a une enclave de survivants. Oh, ce coffre-là, la récompense. Niveau 13 de Paragon. C'est phénoménal. Phénoménal. On va mettre fureur maximum. On peut gagner un point de fureur. Mais autant... Ça on peut mettre autant dans la force. On va mettre quand même dans vitesse de déplacement. Oh, Jesus Christ. Why, what the fuck. Ok. Oh putain. Désolé, mais on va le mettre à lui. Hein. C'est ouf, mais c'est tellement plus important. Exactement aussi. Ce qu'il me fallait. Il faudra juste retirer les trucs à chaque fois. Bonne idée. Ça veut rien dire. Ça ne veut strictement rien dire des fois. Hein. Bon, bah on est bien. On est good. D'accord.
On va quand même aller se vider, je pense, ça peut être cool. Je dois rentrer. Et ensuite, bah, on va refaire le... On va continuer. Alors, on va se vider. Hop, recycler. Thank. Parce que en fait, on peut se forger des trucs, mais niveau d'objet 70, ça peut être bien 70. Hop, bot. Oh là là. Ah, il faut qu'ils arrêtent. Oh my god, ça peut être tellement bien. Oh my god, ça peut être tellement bien, surtout que si on a le truc au complet. Petite propriété de magie aléatoire. 70. Ah, ça c'est des choses qu'on n'a pas encore, hein. Ça par contre on peut, mais bon, on fera ça un peu plus tard, hein. On a le temps. D'accord, on va même acheter un autre onglet. Oui. Oh d'accord, ça débloque un autre coffre, c'est génial. Putain, ça débloque d'autres emplacements. Bon, oh, vous imaginez pas ce qu'on pouvait stocker du coup. Bah ça veut dire qu'on peut stocker tellement d'armes à garder avec les autres persos. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, hein. Voilà, au moins on l'a calmé. What the fuck. Ah bon, allez, lui il va se transformer, voilà. Oh oh. Ok. Ok, 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 ok. On va vite calmer. Oh oh, oh oh. Oh oh, il y a tout le monde, il y a toute la terre entière. Oh oh, pas les glaces, pas la glace. Ok. Pourri. C'est taché, donc on va pas se l'équiper, ça sert à rien. Putain, on est à tour 23. Ouais, je pense qu'honnêtement, on peut au moins passer tour 24. Si je dis pas de conneries. Qu'est-ce qu'elle fout? Faut que des... Que des âneries, ma... ma nana. Mon chéchard. Mais que des conneries. Empruntait ce chemin jadis. Ah ma fille. Bon, même les ennemis comme ça, ils mettent un milliard d'années. Je veux juste savoir, avant de faire quoi que ce soit, voir si ça enregistre bien. Oui, ça a l'air de bien s'enregistrer. Donc 24 minutes, c'est bon. Oh, ça c'est bien ça. Enfin, c'est bien, non, mais... Ah, oh, super, oui. C'est vrai que maintenant, on pouvait tellement les vendre, mais on a tellement d'argent maintenant. Vu qu'on a, en fait, on en a tellement plus besoin d'autant d'argent que maintenant on peut se le permettre. On gagne tellement de pognon ici que. On arrive à faire 1 million en 24 quand même. En 20 minutes quoi. C'est quand même phénoménal. Les pires ennemis. Ok, donc on va continuer. Notre juste récompense. Ok, on a la relique du Templier rare. What? Mais c'est tellement cheaté.
Regardez la relique! What are you doing? Bon bah... Sorry. Toi tu pars hein. Alors il manque quelques... Enfin trois chemins au total dont un principal et deux secondaires. Je dois trouver la fureur. Ah mon tapis résiste quand même hein. Mon templier on l'a vraiment bien blindé hein. Vraiment lui là on devrait pas avoir de problème. Niveau 14 de Paragon. Et tant mieux hein. Alors dégâts critiques, vitesse de recharge par point. Ça c'est bien ça. Hop. On est atteint de mort. Ok. Allez, il manque plus que l'eau et à l'autre chemin, ça sera bon. Bon, finalement, ça va. On a mis 30 minutes au total à se remettre ici. Oui, donnez. Y'a rien, y'a rien. Alors, on va éviter l'invocateur des morts, s'il te plaît. Alors, on va y aller. Oh! D'accord. Oh mon dieu, ma fête. Ça va de partout. Oh lolo. Ah oui, donc ça recommence à aller de partout, ok. Mes hommes sont immobilisés par des revenants dans la cour. Je vous en prie, aidez-moi à les tirer d'affaire. Allez, on y va. Et, alors quoi? J'ai pas encore prêt. Faire attention à lui, hein. Oh, honnêtement, on aurait pu se mettre un temps. On peut se mettre à Tourman 4, mais on se mettra à Tourman 4 pour la prochaine fois 20. Ça tombera fini, quoi. Il est mort. Ok. Oh my god, what the heck. On obtient des choses. Vous connaissez la raison de tout cela. C'est de la folie. Emmenez vos hommes à l'enclave des survivants, dans la cour de la cathédrale de Zakharoum. Allez! Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, comme arme. Par contre, l'autre, non, ça servira à rien. Ok! Bon, bah écoutez. C'est parfait! Qu'est-ce qu'il y a là? Non, il n'y a rien en fait. Je disais, il y a un truc qui va se lever, mais pas du tout. Ok. Ah, le truc niveau 1 qu'on s'était quitté ce niveau dans l'épisode précédent. On va y aller, ne vous inquiétez pas, on va y aller. Oh, c'est gentil ça. Et allez, niveau 1. Monstre. Les fantasmes ne ressemblent à aucun autre esprit de sanctuaire. Ils partagent une ressemblance avec les démons inférieurs, mais l'âme des démons renaît toujours dans les sanctuaires.
Pas assez de fureur. Voilà. Vous n'êtes pas un milliard. La grande pestilence frappa Westmarch. Oh, mais ta mère. Les survivants paniqués jetèrent alors les cadavres des uns et des autres dans les tunnels pesteux. Aujourd'hui, la présence des faucheurs a réanimé nombre de créatures en pleine larme. Les dépouilles d'animaux ressurgissent sous la forme de rampants squelettiques. Déterminé à tuer tout ce qui vit. Ah bah putain, y'a du monde là-bas. What the fuck? Y'a eu tout ce monde là? On cherche les panneaux. Niveau 15 de Paragon. Alors armure pas besoin pour le moment. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre de la résistance. Oh t'es chiant Tana. Attends j'arrive. Je vais lui ouvrir. Je pensais que nous avions tout perdu. Je suis donc parti à la recherche d'une mort honorable. Hey, madame. Et j'ai trouvé une raison de vivre. Aïe quelle couconne. Alors quelle couconne. Allez hop. Régénération de vie par point. Oh, par point, ça peut être bien ça. Oh là là, les rats verts. Ok. Il y a trop d'ennemis là-dedans. J'ai juré. C'est infesté d'ennemis en fait. Ça a l'air d'être la suite là donc là. Allez, on va aller là. Ok là en fait ici y a rien du tout. Y a rien du tout en fait. Je me suis fait baiser ici. Bon c'est pas grave. Voilà, thank you. Il y a de tout là. Alors on a deux endroits. Bon, vous savez quoi, on va aller là en premier. Ok, ok. C'est un peu chelou quand même cette zone, hein. Je veux pas dire, mais what the fuck. Ça a l'air d'être la suite là-bas quand même. Hein. Je veux pas dire, mais ça a l'air d'être la suite. Ouais, c'est la suite là-bas en fait. Ouais, c'est la suite. Par contre, ça rapporte pas de ouf de l'expérience, c'est rare. Donc la suite est par là. Donc on va aller de l'autre côté. Explorer de l'autre côté. Alors je sais pas si ça se rejoint, mais bon, on va voir. Hein, attention. Ah, quel con. Je suis con. J'appuie sur le bouton sans vouloir. Ok. Oh, attendez. C'est... Ok. Le lien. Ok. Fais attention parce que les liens, ça fait mal.
Ok. Eh vas-y. J'ai à boire et à manger ici. Oh my god. Un verre à sac. Ça fait du bien de revenir un petit peu à un donjon un peu plus traditionnel. Ça c'est un peu plus traditionnel comme, comme zone. Ok. Ouais mais pour nous. Pour nous. Désolé, mais non, toi, ça servira à rien plus. Ça. Et il fait apparaître des rats. C'est lui qui fait apparaître des rats en fait. Ok. Ah bah, ma fille alors. Je vais qu'éternuer. Non, ils ont tenu là d'un coup. Ok, donc en fait, il y a trop de choses. On va aller là. On referme la marche. Ah bon. C'est un milliard. Après ça se relie quoi. Ça se relie un petit peu donc les rats vraiment me donnent de l'XP quoi, je sais pas du tout. Bah j'imagine que si, mais peut-être très très peu quoi, parce que je... Parce que voilà quoi. En termes de... d'emplacement on est bien. Voilà. On continue. On a eu un bientôt au niveau 2 là. Ah bah parfait. Qu'est-ce que je disais. Westmarch. Cependant, quand la cité a été frappée par la grande pestilence, il a été décidé que ces tunnels pourraient tout aussi bien servir pour les victimes de la peste, sans quoi Westmarch aurait été submergé par le nombre sans cesse croissant de cadavres. D'accord. Niveau 2. Je sais pas combien de niveaux ici, mais... Attention. Nope. Oh. Un milliard de et on est bientôt au niveau 16 de Paragon. Bah oh là ça permettra de confirmer si... Ah si ça donne de l'XP quand même les rats. Ils donnent de l'XP les rats. On a vu la barre avancée hein. Ils donnent de l'XP les rats. Oh bah voilà niveau 16 de Paragon. Donc écoutez, dégâts de zone, réduction des coups. Non, on va mettre réduction des coûts, ça serait bien. Oh, il est dangereux par en bas. Hop, on va voir un peu, mais dangereux. Qu'est-ce que c'est que cette zone? Waouh! Il y a un milliard d'ennemis! What the fuck? Ouais, d'accord, il y a vraiment un milliard d'ennemis, quoi. Mon Dieu.
qu'est-ce que c'est ces ennemis? What the fuck? Il y a un milliard d'ennemis d'un coup. Oh, ma escorade. Allez, 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 allez. Oh, j'aurais bien aimé. Merci. Dominateur. Eh ben putain, x2, tu m'étonnes. La monnaie x2. Y'a rien du tout. Y'a rien du tout. On peut vraiment pas le détruire ça. On peut pas le détruire ce générateur. Ah mais ça s'arrête tout. Y'a des ennemis à l'infini, c'est pas possible. En fait, un ennemi fait popper un autre ennemi, fait popper un autre ennemi, quoi. Je pensais qu'ils étaient plus nombreux. Voilà. Et toi encore. Oh, les ennemis. Allez. Bah putain. Ok, s'il y a rien. C'est des pièges, il y a pas mal de pièges. Oh, il m'a fait peur cet enculé. Oh. Je m'y attendais pas par contre là. En fait, il y en a dans toutes les extrémités, c'est ça? Ouais, en fait, il y en a dans toutes les extrémités. Bon, il faut maintenant s'attendre à un méga boss par contre. Hein. Je pense que c'est le dernier étage. Parce que ça a l'air d'être le dernier étage vu ce que ça donne. Donc il faudra s'attendre à un méga boss. Voilà. Vague de faucheurs anéanti. Donc fallait s'en douter. C'est un mec. C'est une vague. Un portail de retour. Ok. Il faut quand même des fois y aller. Première vague. Allez. Allez. Fais attention là. Oh 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 oh. Ah ouais, d'accord. Je me suis fait défoncer par le. Par le truc là. Par les flammes. Ouais, faut vraiment faire attention. Oh, attention. Ouais. Attention. Faut vraiment s'enlever d'ici, hein. Parce que. Ouais, mais s'il me ramène là. Vite, vite, vite. On s'enlève. Putain, on joue à Mario ou enfin, on joue à Zelda ou on joue à Diablo là d'un coup? Non, mais avec ses. Genre, t'esquives des ennemis pendant que t'attaques. Ok, deuxième. À mon avis, là, ils vont devenir vénères, je vous le dis. À mon avis, ils vont devenir vénères. Oh putain de merde, il y a 50 milliards d'ennemis. Ah d'accord, en fait les flammes ils vont de partout. Donc il faut vraiment impérativement faire très attention. J'espère que mon tapis arrivera à gérer un petit peu. Nous on va tempo, un peu de temps en temps. Ouais, on va tempo. Là on va tempo, il n'y a pas le choix. Allez, 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 allez. À mon avis, c'est à la dernière zone. Hein. On va tempo un peu. On tempo, tempo, tempo. Oh, attention. Allez, là, ils sont tous là. Là, là, il faut y aller. Ouais, tempo, on va tempo, on va tempo, tempo, tempo. C'est bon? Ok. Et évidemment, il y a le boss. Je pense que ça confirme bien que c'est la dernière. Le dernier niveau. Bon, tempo, 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 tempo. Oh putain, il y a de la flamme de partout. Il y a des flammes de partout. Attention, attention, attention. Ça commence à être problématique. Bon, tempo. Oh là là. Niveau 17 de Paragon. Oh mon dieu. Il y a toute la terre entière. Là, les ennemis sont tous lâchés. Oh. L'invocateur des rats. Oh my god, ils se sont décuplés.
What the fuck? Tous les rats? C'est Paris ou quoi? Elle est où Anne Hidalgo là? Elle est où Anne Hidalgo? Elle est où Anne Hidalgo? Oh my god! Il y a des rats, il y a des trucs de partout. Ah bah là je suis bloqué là. J'arrive même pas à passer. C'est bon. Oh my dieu, mais ça ne s'arrête plus! Mais ils ont largué les bêtes quoi! What? Oh, oh, on passe tout sauf ça, hein. Tout sauf les trucs arcaniques là. Il faut qu'on arrive à passer des fois. Mon dieu! Oh my god! Leave me alone! Allez. Mon dieu, mais ça décuple! Ça ne s'arrête pas de se décupler! Mon dieu! On est un nombre de victimes d'un coup, on est un nombre de combos. Ça serait con de mourir maintenant, je vous le dis. Allez, allez, on reste concentré. Hein. Ok, il y en a un de mort. Ça serait con de perdre là. Il y a un de tous de mort. Deux de mort. Oh putain! Nous avons... Oh, niveau 19 de Paragon! Wouh! Putain! Fureur maximum. On va mettre ça. Vitesse d'attaque, vitesse d'attaque. Ça, on va mettre en armure. Hein. Oh, c'est venu de partout, quoi. Ils ont largué les bêtes, quoi. Donc là-bas, c'est la fin. Ok. Ah mais c'est un malade de la récupération de ouf hein. Est-ce que c'est vraiment utile? Ouais si c'est quand même un peu utile quoi. Oh mon dieu ça m'a tué là. Wow. C'était assez what the fuck hein. C'était assez what the fuck. On avait ça au pire, mais putain, c'est... Des fois, tu te dis, mais what, est-ce qu'on joue vraiment au même jeu? What the fuck? Tous les ennemis qu'il y avait... Oh, honnêtement, quand j'étais pris dans ce coin-là, je me suis dit, oh putain, c'est fini. C'est fini quand j'ai vu le nombre de rats qui ont pop avec les gens qui ont... En plus, c'est des évocateurs qui se sont décuplés, donc imaginez le pop de rats. C'était... What? C'était what the fuck, hein? Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Il y a plusieurs endroits. Qu'est-ce que c'est cette maison? Un genre de bâtisse. On dirait d'anciennes tavernes. Ça c'est un truc quoi, que je peux pas mais... Attendez, c'est tout ça pour ça? Oh mon dieu! Allez vous! Oh my god! Enchanté! Oh non, pas par les arcanes! Pas par les arcanes! Pas les arcanes! Pas les arcanes! Ah bah là, je vais mourir! Attention! J'appuie sur X! Mais j'ai pas le temps d'user la potion! Faut vraiment pas les arcanes. Les arcanes, les arcanes. La seule de ces choses qui arpentent les rues presque. Ah j'en pouvais plus. Ça n'arrivera pas. Ouh,
Bah du coup on peut se diriger en direction de la zone qu'il faut hein. Enfin presque. Mais où c'était où? Ok. On a quand même encore une petite zone. Cette zone est très grande, hein. C'est... What the fuck, hein. Il y a un peu des trucs de partout. Bel événement. Oh, le domaine du manoir Redden. Wow, ok. Bah, je ferai un manoir. Mais arrêtez de se tirer dans le mur. Putain. Ok, noble corrompu. Oh oh. On se concentre un petit peu parce que là. Eh ben voilà. Ouh putain. Il manque quand même un côté à explorer. Niveau 20 de Paragon. Ouah. Vie par coup. Par coup. On va remettre du dégât par zone. C'est abusé comme c'est grand. J'ai joué hein. C'est abusé. Ok, cadavre encore. Okay, je vais à un endroit, mais j'y vais. Hein. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Hein. Oh! Il y a encore très fun, ça, ici. Oh, le bâtard! On aura de la place, on n'aura pas de place. Donc, on va faire un truc, c'est qu'on va revenir. Je dois rentrer. Mon dieu! Allez, on rentre, on recycle. Ouf. Non, pas ici. On repart. Topaz brut, merci. Une main, mais c'est pourri. Putain, ce qu'on obtient. Ce qu'on obtient en termes d'argent. C'est fastamagorique. Ah d'accord, en fait
Il y a trop de choses. C'est loin d'avoir fini. Je suis loin d'avoir fini quand même. Hein. C'est quand même dingue. Hein. Cette zone est abusée. J'ai juré, mais cette zone est... Elle est abusée. Ouais. J'aimerais au moins rejoindre ce point là quoi. Il faut encore attendre. Ah mais il faut faire tout le tour. Putain il faut faire tout le tour. Bah dis-moi qu'il y a un truc intéressant quoi. Ça se passe tout le tour pour rien quoi. Et après on ira là-bas. De toute façon vu que c'est là. Bon on vous savez quoi, on va aller là-bas. On en a pas pour longtemps, on va frôler les murs pour aller plus vite. On va speedrunner le machin. Ah non, ça me permet de savoir si j'ai pas oublié quelque chose, mais... Là, ça aurait été bien que ça ouvre toutes les portes, là. Comme ça, ça m'aurait pu skip tout un passage, en fait. Bon, ça va, c'était à côté, finalement... C'était pas dramatique en soi, mais... Et dire qu'on a la zone d'en bas, pour oh, c'est... Oh, c'était tellement grand. C'est tellement grand. Oui, vous avez vu, on a même oublié... On a oublié ça, en fait. Tac. Là, j'ai pissé les amis, on peut pas savoir. Où se trouvent les membres de mon ordre? Ah d'accord, tout ça pour ça. Pas dans les rues à combattre cette folie. J'ai envie de me tuer. Oh tant pis. tant pis. Combien? 36 millions. Vous imaginez quand si on se mettrait au sonore. J'aurais bien aimé me mettre en Tourman 4, mais chiant, je peux pas pour le moment. Je pense pour le mode aventure, je sais pas c'est quoi le mode aventure, mais on découvrira tout ça. En temps et en heure, et on se mettra certainement en Tourman 4. En fait, on meurt beaucoup moins, en fait, on meurt, mais c'est des erreurs d'inattention, en fait. Et surtout, c'est des erreurs, vu que ça fait longtemps que j'ai pas touché au jeu, il faut que je me remette dans le bain, c'est des trucs que avant, je faisais pas, quoi. Alors on va faire ça. Essayez d'être là tranquille. Oh non, elle est possédée maintenant. Oh. Bon, la femme perdue. Les anges et leurs abominations tuent tout le monde. Qu'est-ce qu'ils me feront quand ils découvriront qui je suis vraiment? Ma mère, ce que le démon lui a fait subir, le fait qu'elle ait survécu, c'est trop horrible à imaginer. Bon, allez, on va finir avec le long boulevard là. Et ensuite, j'irai aux toilettes et ensuite on pourra reprendre. C'est
Ok. Bon, bah écoutez, je vais pouvoir aller pisser, enfin. Allez, je vais juste m'arrêter, enfin pas m'arrêter devant, parce qu'il faut quand même qu'on continue au moins jusqu'au point de sauvegarde pour éviter que tout se reset, mais voilà, donc je vais comme ça pouvoir aller pisser. Voilà. Allez, j'ai pissé, et puis après, on se retrouve. Hein. Voilà, me revoilà, les amis, après avoir fait un gros pipi. je suis à 1h04, ça va, ça peut aller. Hop. Oh, mon amour. Hop, 1h04. 1h04. Je sais pas si... Attendez, est-ce que ça tombe toujours? Oui, c'est bon. Allez, go, on y va. Ah, on attend, je pense au verre. Mais vous savez quoi, on va continuer. Pile de cadavres détruites. Elle n'a pas sa place. On a détruit des piles de cadavres. Ok. Alors aidons là à le quitter. Oh, what the fuck? C'est quoi là? Premier. Ok, on se calme. Il y a tout le monde là. Attends. Allez. À mon avis, lui, je pense qu'il a l'air gentil mais méchant en même temps, c'est bizarre. Je pense que, à mon avis, il va peut-être me niquer ma race. Oh my god. Heureusement que ça peut se cumuler. C'est à 25 fois la force. Ah oui, d'accord, c'est un boss en fait. Ok. Méchant. Oh my god. Ok. Oh, calme. Oh my god. En cas de... J'appuierai sur le X. En cas de besoin. Allez. Peut-être qu'on fait apparaître un milliard d'ennemis. Niveau 21 de Paragon. Niveau 22 de Paragon. My god. What the fuck. Ok. Alors, chance de critique. Ah, ça serait bien quand même. Et un petit point de vitesse déplacement fureur. Un petit quand même plus de force. Ce sera mieux quand même. La force. Toujours la force. Il faut de la force un peu. Merci. Je savais que vous arriveriez à temps pour me sauver. Myriam. Yes, c'est Myriam. Je m'appelle Myriam Jazia et je suis une voyante du peuple des Vessins. J'avais vu notre rencontre, mais pas cette horreur. Je suis là pour vous aider. Il reste encore un creuset. Si vous détruisez celui-là, les Vestales ne pourront plus en créer d'autres. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous devons partir. Allô, cimetière. Tout de suite. On y va, Cynthia. Oh. Maldael, il vous observe. Oh, what the fuck. Oh, what the fuck, pourquoi je lag d'un coup là? Ah, je crois que c'est le temps de que les trucs chargent là. Ok, y'a rien. Oh là là. Ah, d'accord, c'est reparti pour une grosse zone.
Allez, on y va. Sachant que j'ai encore du temps. C'est quelle heure? C'est 5h40. Ouais, j'ai encore du temps. Hein. Je finirai pas malheureusement aujourd'hui, mais j'ai encore du temps. Après, je dois préparer ma bouffe pour la Nintendo Direct d'aujourd'hui. Pour moi. Enfin, pour vous, non, mais pour moi, oui. Parce que chez moi, elle est aujourd'hui. Ça, vous êtes pas... Non, c'est pas comme si vous étiez un milliard. Mon dieu, mais... C'est quoi tous ces ennemis d'un coup? Non, mais... Calmez-vous. Il faut encore attendre. Des morts vivants. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas affronté des morts vivants. Ouais, c'est de l'acte 3, si je dis pas de conneries. Je baissais le regard et vis des filaments d'énergie enserrer mes pieds. J'ai compris alors que ce n'était pas la peur qui me trouvait sur place. Ah non mais les gars, ça part de partout. Ça part de partout. Sarcophage, sarcophage, sarcophage. Ouais bon. C'est pas très catholique que je fais, mais bon écoute, y'a pas le choix. Pour obtenir peut-être des récompenses ou quoi. Y'a pas trop le choix. Ouais ou bon, par contre ça a l'air d'être grand et bordélique, hein, cette zone. Oh putain, ça a l'air d'être grand et bordélique. Je sais pas si on va avoir des cryptes ou quoi que ce soit, ou des maisons à explorer, mais... Vu qu'il y a quand même des portes, je me dis, il y a quand même peut-être quelques endroits à explorer, mais... Faut que ça crée de nouveaux événements, mais... What the fuck, quoi. Allez, allez, allez. Oh, il est noir. Il est noir. Ça, c'est le bonheur, ça. C'est bordélique comme zone. C'est très bordélique comme zone, les amis. Oh my god, ok. Ouais, c'est très bordélique comme zone, malheureusement. Oh oh. Je suis un peu bloqué là, non? Mon dieu, mon dieu. Il y a un nombre d'ennemis colossal. Ah mais c'est... Ils ont craqué, non? Bon, je suis pas au milieu de tout. Je suis merdé quand même. Hein. Il faut encore attendre. Heureusement qu'on a quand même pas mal de récupération un peu, parce que là... Niveau 23 de Paragon. Ok. Armure. Armure, c'est mieux là maintenant. On va pas avoir un peu trop le choix parce que là. Ça part de partout. Hein. Ça part en bas, ça part en haut, ça part. Ça part de partout. Ok, bon, on va quand même remonter parce que, à mon avis, on a certainement pas tout exploré. Eh bien, dans une des vases, comme tout à l'heure, de l'argent, non?
Il y a de nouveau un milliard d'ennemis. Heureusement qu'on a de la récupération. Ok. Allez, 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 allez. L'ange de la mort pourrait au moins faire preuve de respect envers ceux qui sont déjà morts. Ok. Allez. On il faut aller en tout en bas, mais d'abord on va aller là. Oh oh, bah on a bien fait. Aïe hein. Ils peuvent donner du stuff intéressant. Nous avons qu'un petit tour 24 ça aurait été bien. Pour avoir du stuff encore beaucoup plus intéressant. Mais dommage que le jeu, on dirait qu'il a été mis à jour pour plus qu'on change de difficulté. Ça, je trouve ça dommage par contre. Ça compte parce que les gens qui veulent comme moi changer de difficulté en cours de route. C'est un peu dommage, mais... Ah, en fait, là, il faut vraiment l'emprunter. Allez. Pas encore prêt. Oh mon dieu. Il y a un nombre d'ennemis colossal. Il y a un nombre d'ennemis colossal. Heureusement qu'on a... Heureusement que j'ai quand même pas mal de... Ils ont épines sur eux, ça me rend fou. Ok. Venez, 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 venez. Allez, venez. Venez. Il faut encore attendre. Écrasant. Niveau 24 de Paragon. Rayon de ramassage d'or. Mais enfin, le problème, c'est le robot maintenant. Donc, je sais pas si ça me sert vraiment. On va mettre vie par coup, ça sera mieux. En fait, on peut marcher. Non, je me suis dit peut-être en marchant sur les tombes que ça crée ce truc, mais... C'est bizarre qu'il n'y a pas de crypte, ni... enfin pour le moment il n'y a pas d'endroit à aller, en fait, dans le sens... On a, si, on a l'objectif de base, en fait, l'objectif principal, mais on n'a pas de petite zone annexe comme dans la première zone. Je me suis dit peut-être on aurait, avec le nombre de portes hallucinant, un petit truc à aller, mais pour le moment, il n'y a rien qui apparaît, quoi. Allez-vous. Ah, c'est un petit peu dommage quand même. On n'a pas d'un petit endroit à aller tranquillement. Un petit endroit secondaire avec un nouvel événement. C'est triste. C'est triste. Oh, ah, pardon. Un milliard. Heureusement qu'on a une partie. Ça descend, mais on arrive à tenir. Hein. Arrêtez de bouger!
Ah. Y'a rien. Rien d'intéressant. Ça c'est tellement mieux. C'est tellement mieux. Mais il m'en faudrait tellement. Tellement d'autres. Enfin, il faudrait surtout de la force avec, mais. Par contre, les bruits, ça fait on dirait World of Warcraft. Hein. Les fauchards, les fauchards. Si c'est le WoW, si c'est sûr, c'est les sans effect de WoW. Je viens que de manière par soeur là, mais je suis sûr que c'est sans effect de WoW. Eh ben, putain, il y a manger à bord ici. Hein. Okay. Allez. Merci. Ouf. Ok. Rien de spécial. On a la petite warp qu'on va prendre, ne vous inquiétez pas. Enfin, qu'on va débloquer. En fait, ça va. En fait, il restera pour le moment après plus un seul côté réellement. Ça a l'air de pas redescendre ni rien. Donc logiquement, on a débloqué le petit relais. Voilà, enfin, si ça redescend, mais on se comprend dans le sens. On a dit s'il y a le relais là, ça veut dire que la suite est par là-bas. Donc de toute manière, nouvel événement. Parlez à Robert. Comment ça, parler à Robert? Il est où? Ah, il est là. D'accord. On va le faire. Voilà, c'est ce que je voulais en fait. Un nouvel événement. Un truc quoi. Une héroïne en vadrouille. Vous arrivez à temps pour me protéger pendant que je chope ces derniers bijoux. On partagera, d'accord? Yes. Ça semble prometteur. Poussez les vagues de. Si je me fais bouffer, ce sera votre faute. Bien sûr. Ok. Yeah. On est à avoir un boss ultra puissant, non? Je sais pas, mais... Allez, go. Oh mon dieu, ils sont 1 milliard. What the fuck? Oh my god. Ils sont 1 milliard. Oh my god, what? Niveau 25 de Paragon. On va mettre... Je suis cuit. Fureur quand même, c'est mieux. Oh d'accord. Bah oui, t'es con, t'as creusé. Bah en même temps tu creuses un cimetière avec des zombies hein, donc Allez. Je m'en bats les couilles de ce qu'ils me disent en fait. Je vois mes messages en même temps, mais c'est pas évident. Ouf. Cette fois c'est la bonne. Je le sens. Oui! Merci de m'avoir gardé en vie. Voilà votre part. Quant à moi, je vais me trouver une petite taverne abandonnée. Hey, merci! Je tombe du brigand. Ça, faudrait le garder. Peut-être faudrait le mettre dans un truc pour les brigands. Pas pour les. En fait, il faudrait mettre un truc pour les. Comment ça s'appelle? Les trucs des Templiers et tout. Faut pas le recycler, ça, je vous le dis. Peut-être maintenant on va garder parce que de toute façon on va créer un autre perso dans pas très longtemps pour alterner en fait. C'est mieux. Et comme ça on découvrira une nouvelle classe en fait. Vous vous sentez coupable de ce qui est arrivé à Léa, ça se voit. D'où connaissez-vous Léa? Je vois le passé aussi bien que l'avenir.
Ne le laissez pas vous manger. Ok. Bah ça a l'air d'être good. Hein. Donc on va pouvoir partir tout en bas. C'est la seule truc qui nous manque. À l'heure actuelle. T'as un niveau 25 de paragon quand même. Hein. Dommage qu'il n'y a pas de petite crypte. Bon, il y a eu un nouvel événement, c'est bien. Mais dommage qu'il n'y a pas autre chose, quoi. Tiens, merci. Quoi, il faut vraiment bien péter les jarres à chaque fois. Hein. D'accord. Vous avez une foule de raisons de vous réjouir. Ne vous moquez pas de moi. Ça, je t'ai vu, j'ai pris le sap exprès pour ça. Parce que ça, c'est un blend d'expérience. Allez, allez, allez. Oh, doucement, il fait mal. Hein. Eh ben voilà. Non mais dis donc. Il faut encore attendre. Allez, 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 allez. Ok. Putain, c'est tellement bien! Mais le problème, c'est que ça me réduit de ouf les dégâts. Ah non, je peux pas me le permettre. Je peux pas me le permettre. Ça, vous non. Voyez l'avenir. Eh bien, des fois, je peux pas. Des fois, je peux pas non plus abuser. Hein, oh, par contre, ça. Ça, je suis con de pas me l'être équipé en fait. Vous vivrez heureuse et vous aurez beaucoup. Ça, c'est bien en fait. Je sais pas pourquoi je me suis pas équipé, mais c'est bien. Hein. Par contre, du coup, en fait, on peut pas lui donner à l'autre, non, on peut pas lui donner à l'autre. Et parce que vous êtes une Solcaris qui ne... C'est formidable que nous nous rencontrions enfin. Même si vous êtes une maître, vous avez visé. Dites-moi si je me trompe. Vous ne prenez pas soin de vous. Sauvez le monde, pas toujours... Allez, on réunit tout le monde. Et c'est tout ce qui compte. Ce n'est pas encore prêt. Non. Voilà. Ah, ce jeu c'est du sport par moment. On va aller là. Allez vous. Je sais pas. Ah, on a trouvé la crypte. On a trouvé le truc. Ça fait à la creuse, je veux dire. Donc on va pouvoir explorer tout le reste, c'est ça qui est bien. On va quand même la valider après, parce que sinon on va plus sur son mur où aller. Mais... Allez, 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 allez. Allez, allez, on tue. Allez, allez, allez. Voilà. Donc c'est ici en fait. Voilà. On ira là beaucoup plus tard, le temps qu'on explore tout en fait. Le temps qu'on finisse d'explorer l'intégralité de cette zone. Là on aura passé 15 niveaux de paragon aujourd'hui. Bon, le montage va être astronomique mais... Le montage de cette vidéo va être astronomique, je vous le dis. Non mais je vous le dis. Je le pré-shot, il va être astronomique le montage de la vidéo. Ok. Y'a pas un petit nouvel événement là encore c'est chiant quoi. Ouais, depuis que j'ai mon robot en fait ça sert plus à rien de... d'améliorer le rayon de ramassage d'or parce qu'en fait le robot fait le travail à ma place. En fait il fait le travail justement de... Il économise du coup les points de... Honnêtement je vois pas pourquoi... Bon de toute façon j'aurais peut-être pas le choix de les mettre au bout d'un moment parce que de toute façon ils me donneront des points une fois que j'aurai tout monté. J'aurais pas le choix de monter ça mais... Mais enfin... T'as un 1024. En fait, je sais pas par où passer maintenant. Voilà, là. Hop
pas, c'est une zone qui est aussi très grande. Hein. Niveau 26 de Paragon. Alors, on va mettre de vitesse d'attaque, c'est mieux encore. Ok, donc là, c'est la fin. Ça. Après là, ça se referme et ça va directement en bas. Donc en fait, il y a énormément de choses à explorer en fait. C'est une dinguerie. Allez, un petit nouvel événement, ça serait bien quand même, non? C'est bien un nouvel événement. Parce que là, ça fait pauvre, hein, comme ça. Oh, what the fuck. Tac. Ensuite, on va finir d'explorer le centre. Venez, venez. Allez, venez. Oh mon dieu, il y a un milliard de monde. Peut-être pas dû venir. J'aurais peut-être pas dû demander à tout le monde de venir. C'est bon. Allez, 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 allez. Un vrai massacre. D'un cushion. Ah, des forces qu'on obtient. C'est scandaleux, je te jure. Ouais, demain quoi. Donc non, et d'ailleurs, il faut absolument que je revienne sur pas. Enfin, pour aller vendre un petit peu ce qu'il y a à vendre. Ça me fait des feintes parce que je crois que c'est un coffre ultra rare, mais non, pas du tout en fait. Il nous reste plus grand chose à explorer. Avant d'entrer dans le truc, après on va faire un petit tour en ville pour vendre et tout. Bon bah parfait.
Voilà, allez, on va pouvoir faire un petit tour en ville. Je retourne en ville. C'est quelle heure? 6h05, ça serait bien que je m'arrête. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a! Ok. Alors déjà, on va recycler, on va réparer et on va recycler. On va recycler ça, 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 ça. Et ça, on va juste le mettre dans le truc. En cas de besoin, ça peut être bien. Bon, on le remplacera à la limite, mais... Ok. Ça fait toujours un petit truc en plus. Et du coup, en fait, on va mettre... Ça, c'est les armes upgrade. Ça, c'est un coffre, un truc classique. De toute façon, il n'y aura pas le choix de mettre ça. On va mettre ça là-dedans, c'est quoi? Là-dedans. Et on va mettre ça là-dedans. Donc, on va mettre un truc... Brigand. Ouais. Qu'est-ce que je peux mettre comme brigand de... Bah, hot, c'est quoi? C'est ça le brigand, non? Dis pas de conneries. C'est templier, ça. Ça, c'est le brigand, normalement. Donc, on va le mettre dans le brigand. De tout. Et du coup, ça. Ça, c'est tout nouveau, par contre. Hein. Putain. Ah, attendez, ça veut dire que. Logiquement. Est-ce qu'à votre avis, j'aurais assez? Je sais pas du tout. Mère m'avait pourtant mis en garde contre les pauvres. Ils veulent être aussi riches que nous, mais sans travailler. Et voilà qu'ils ont levé une armée de morts contre nous. Quand je serai roi, ils verront de quel bois je me chauffe. Ok. Parlez. BDE désir. En train de vous parler de Lyria, n'est-ce pas? Elle était tellement belle que Tyrgest était fermement décidé à la faire sienne. Oh oui, il l'a poursuivi sans relâche de ses assiduités, la couvrant de cadeaux et d'attention, jusqu'à ce qu'elle succombe et accepte de devenir sa femme. Mais la jalousie de Tyrgest était si grande qu'il cacha Lyria haut dans les cieux, hors d'atteinte des hommes et des dieux. Oui, un homme jaloux n'a de place dans son cœur pour rien d'autre que sa jalousie. Oui, Tyrgest était ainsi. Son existence ne reposait que sur le désir. Ça, c'est grande force. On en a trois. Pour fabriquer, ça coûte cher, par contre. Oh, ça coûte 200 000! Mais c'est des fous! Ça coûte tellement cher! What? Et amulette rare. Un truc de vitalité. Mais même ça, ça coûte des trucs. Mais c'est des fous! Mais c'est des malades! Mais c'est des malades! Retirer des chaînes. Non mais on va pas retirer des chaînes. Sachant qu'on va, on a tout le monde à qui parler, abandonner. Nous aurait-il abandonné? Pour quelle autre raison sa magie aurait échoué à nous protéger dans notre sommeil? La magie du prophète a fonctionné. Elle vous a gardé saine et sauve. Mais mes sœurs sont mortes. Pourquoi elle et pas moi? Quand nous perdons des compagnons, c'est un lourd fardeau à porter. Léa, Kane. Ils sont toujours avec moi. Je ne peux pas juste me lamenter sur mon sort. Je dois découvrir la vérité. Brigand. Je ne sais pas comment vous l'annoncer, mais je vais devoir partir, et je ne reviendrai pas. Fais ce que tu dois. Je suis très sérieux. Mon frère est retenu prisonnier à Port-Royal sans rien pour se défendre. Je dois aller le libérer. Tu n'arriveras pas à Port-Royal si Westmarch est submergé. Très bien. Je resterai aussi longtemps que je pourrai. Mais c'est bien parce que je sais à quel point je vous suis indispensable. Ça va quand même, les chevilles. Non, rien, Harold. Cette bague ornée de diamants est à toi si tu nous mènes hors de la ville sain et sauf. Mais Harold, c'est mon alliance. C'est tout ce qu'il nous reste à monnayer. Oh, si seulement quelqu'un avait pensé à emporter sa voix d'un jour. Je n'ai pas le temps d'escorter les lâches. Oh la punchline. Oh putain, j'en veux pas être à sa place là actuellement. Putain. J'en veux vraiment pas être à sa place. Oh Jesus Christ. Mon dieu, mon dieu. Il n'a toujours rien dit depuis qu'il a mentionné les flammes. Il s'alimente à peine et ses yeux commencent à se voiler. Je l'ai vu, elle. Je dois le dire. Ah, sorry. Qui elle? Qui elle? Eh ben ta mère.
Je suis en train de devenir, je crois, un peu fou en fait. Hop. Par contre, du coup, ça coûte pas cher. Honnêtement, je peux tenter de faire un petit. Qu'est-ce que je peux faire? Arme de quoi? Théo, masse, lance. Oh. Pourri comme un lance. En fait, tout est pourri quoi. Ils auraient dû quand même être à jour des trucs parce que vu que maintenant on a des équipements un petit peu abusés. Tant pis, bon. Le navire de mon fils devait accoster à Bramwell aujourd'hui. Je pensais qu'il y serait en sécurité, mais les rumeurs m'inquiètent. Donnez-moi une arme. Il faut que j'aille à Bramwell. Vous êtes courageuse. Mais courir à la mort n'aidera pas votre fils. Oh, moi, elle n'est pas une lâche. Vous ne trouverez aucune gloire ici, aventurière. Les cadavres ne peuvent pas chanter vos louanges. Le sauveur. Si vous n'étiez pas venu à mon secours, je ne sais pas ce qui se serait passé. C'était la moindre des choses. Malgré ses croyances superstitieuses, Rakis fut un roi loyal et juste, très aimé de ce... Tyraël m'a parlé de vos exploits. Vous avez abattu Diablo en personne. C'était nécessaire. Je ne pense pas que le monde comprendra un jour le courage qu'il vous a fallu pour vous opposer à un être aussi maléfique. J'ai réussi à arrêter le démon primordial. Cela me suffit. Le reste est accessoire. Attendez. Mon père était le commandant des chevaliers de l'Ouest-Marche. Il supposait que je deviendrais soldat, tout comme lui. Et ce n'était pas votre vocation ? J'ai été bercé par les histoires des intrépides Oradrim, Tal Racha, Jared Kane. Je voulais devenir comme eux. Mon père prenait toutes ces histoires pour un mythe. Il n'a pas été peu surpris quand je suis vraiment devenu un Oradrim. Tal, l'éclat de pierre. Vous a-t-il appris quelque chose ? Non. Mais il représente notre seul espoir de découvrir les projets de Maltael. Pour le vaincre, nous devons découvrir où il se cache et ce qu'il tente de faire. La réponse doit être là. Il faut juste que nous la trouvions. Trop d'innocents sont déjà morts. General Thorian, le dernier carré. Comment avez-vous fait pour résister si longtemps aux faucheurs ? Ça a été éprouvant. Des tas de types bien se sont sacrifiés pour nous sauver. Mais ça n'a même pas suffi. Si vous n'étiez pas arrivé au bon moment, nous serions sans doute déjà morts. Ouais, bon, quand même. Des renforts. Pourquoi n'avez-vous pas demandé des renforts à d'autres villes, comme Bramwell ou Port-Royal ? Vous n'êtes pas au courant ? Toutes les villes sont attaquées. Ah, d'accord. C'est vrai. Maltael frappe partout dans Sanctuaire. Je ne savais pas. C'est une funeste nouvelle. Ouais, c'est totalement une funeste nouvelle, ouais. Ok. Bon, pourquoi pas. Allez, on y va. Attention, non, il y avait Emily. Il y avait Emilia qui parlait, je savais même pas. Il y avait Emily. Sauvez, les choses horribles ont lieu en ville. J'ai foi en vous. Je sais que vous allez nous sauver. Mais Victor n'en est pas convaincu. Il doit sans doute penser qu'une femme n'est pas à la hauteur de la tâche. Qu'est-ce que tu racontes comme ânerie, femme ? Elle est tout à fait capable de nous sauver. Et j'ai ici tout ce dont elle aura besoin pour y arriver. Transmogrifié. On peut enchanter à la limite. Hein. Ah d'accord. Non mais non. Du coup on va pas remplacer par ça. Évidemment. Allez du coup on y retourne. La cour du repos des nobles. On est vu avoir des ennemis encore là. Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Non, je pense qu'il y a des ennemis encore. Ok. Ne faites pas attention à moi. Je vais juste attendre ici. Pile de cadavres détruits. Ah! Il y en a 6 cette fois-ci. Il y en a 6. Ah d'accord. On va tenter quand même de laisser l'autre là, de gérer quand même un peu. Deux. On va affronter d'abord les piliers.
va faire les piliers, voilà, ceux-là déjà pour commencer. Oh my god! Ça va vous? Vous êtes pas nombreux? Non! Juste quelques centaines de milliers! Oh, 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 je me fais défoncer là! Oh mais attendez, il faut calmer les ennemis là! Ah mais je me fais défoncer là les gars! Oh je me fais défoncer là! Waouh! Ok, doucement. Oh. Ça mène d'origine un petit peu de temps en temps, non? Dégagez, mais vous êtes cancer, vous! Oh là là! Allez, please, tue-le, s'il te plaît. Il y en a 6 à buter, mais c'est des fous. Toujours plus, il y en avait 5 tout à l'heure, ou 4. 4, je crois. Niveau 27 de Paragon. T'arrives à pile, attends, toi. Il faut encore attendre. Oh là là. Oh là là, ça spawn en masse. Oh oh, arrêtez de... faire mal s'il vous plaît. Ok. Allez, faudrait réussir à le buter le dernier. Merci. Ah d'accord. On doit tuer Katanais là. Oh my god. Vite, Leave me alone. My god. Ouais. Il se défoule. Oh calme, il fait mal, là je récupère. Il y a un nombre d'ennemis colossal. Oh, calme. Ok, souffle de mort, merci. Oui, niveau 28 de Paragon. Oh my god. Ça on peut s'en battre les couilles pour le moment. Après ça peut être bien, mais dégâts zone. Et là on va mettre point de vie. Ouais, point de vie. Par point. Ouais, pourri. Qu'est-ce que c'était que ça? Mon dieu. C'était Urzael. Urzael? Urzael est l'ange qui commande l'armée de Maltael dans cette ville. Je crois que vous l'avez mis en colère. Tant mieux. Tant mieux. D'accord. C'est alors comme le tant mieux venait du cœur. Oh my god, retourner en l'enclave des survivants. Et voilà. Oh mon dieu, il y a tout le monde qui a quelque chose à dire. Vous vous souvenez de ce bruit que j'entends? Non. Oh, shut the fuck up. Parlez. Comment est-ce possible? Mon meilleur marteau a disparu. Il n'a pas pu s'enfuir tout seul, hein, petit? L'un des hommes avait besoin d'un marteau, et il a promis de le rapporter. Ah, idiot, je ne le reverrai jamais. Je suis désolé, Edrig. Ah, disparaît. Nous n'allons pas mourir, n'est-ce pas? Dites-moi que nous n'allons pas mourir. Je ne veux pas perdre mon âme. Eh non, on va pas mourir. Pensez vagabondo. J'ai pas envie de parler pour le moment. Comment ça, t'as pas envie de parler? Parle quand même, t'es fou toi. Et fou lui. On va recycler. J'ai entendu dire que dis-moi que la femme en bas veut parler. Elle veut pas... Ah voilà, elle veut parler. Fragment. Il ne tient plus en place depuis qu'il a mentionné cette femme. Qui est-elle? Est-ce que c'est elle qui a allumé l'incendie? Elle cherche quelque chose. Quelque chose de caché. Je ne sais pas quoi faire. Son état empire. Je crains qu'il n'en ait plus pour longtemps à vivre. D'accord. C'est un petit peu triste pour lui quand même. Hein.
ceux qui ont péri sans embrasser la... Imagine démoniaque. Ma sœur Lisa, j'ai emporté son catalyseur magique en souvenir d'elle. Alors, je m'en suis servi aujourd'hui pour voir s'il contenait des indices. Et j'ai découvert d'importantes traces de la magie démoniaque qui l'a tué. Cela m'a rappelé la magie des vice-jereilles, d'avant l'époque où nous sommes. Ah, salut Giro. Ces vice-jereilles sont morts il y a des centaines d'années. Les mages actuels ne chercheraient pas à se venger. Quand j'ai utilisé la magie sur son focalisateur, j'ai entendu sa voix à nouveau. Et cette fois, j'ai compris ce qu'elle me disait. Elle n'a prononcé qu'un mot. Eirena. Eirena. Le grand maître en personne est censé être à Westmarch. Il est impératif que je le trouve et que je puisse discuter avec lui. Je lui parlerai des crimes que commet son ordre. Cormac, il est le chef des Templiers. L'ordre agit certainement sur ses instructions. Non, vous devez vous tromper. Mes premiers souvenirs en tant que Templier sont de lui me réconfortant, m'accueillant dans la confrérie. Je l'ai vu dans ses yeux. C'est un homme de bien, je vous assure. Les anges. Ce sont vraiment les anges qui nous attaquent. Je ne comprends pas. Comment pourrait-il ? C'est la triste vérité. Ah, mais il y a deux quêtes ! What ? Un des anges a sombré dans la folie. Je vais tous les éliminer comme des chiens qu'ils sont. Lui et ses acolytes. Bien. Ok, donc déjà on va prendre cette quête du brigand. Il est temps pour moi de partir. Ah, d'accord. Mon frère va mourir dans les cachots de Port-Royal si je tarde encore à intervenir. Un prisonnier de Port-Royal, vous dites ? Oh, ces pauvres diables ont tous été transférés dans nos cellules à Westmarch la semaine dernière. Mais on n'a plus de nouvelles de la garnison depuis le début des attaques. Edline. On va devoir y aller, non ? Je dois non vous trouver. Pouvez-vous m'aider, mon ami ? Allez, on accepte ! On y va ! On y va ! On y va ! Ton frère, Lyndon. Attends, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas un vrai garde. Le bâtard ! L'île des voleurs trouve toujours ce qu'elle recherche. Malheureusement pour vous, c'est bon pour moi. On dirait le... Comment ça s'appelle ? Les donjons avant le boucher. Souvenez-vous dans le premier acte. Au jour du premier acte, il ressemblait à ça en fait. Honnêtement. Oh, calme, calme. Doucement là. Oh. Baiser comme ça, c'est comment ? Les prisonniers ont été abattus ici. Oh. Engagé. Ah non, d'accord. Non, pas, on va pas engager, mais ça m'a juste surpris qu'il pop comme ça d'un coup. Je comprends pas. Bon, après, Once the Lost Mars, il a l'air d'avoir qu'un seul étage. Hein. Mais à mon avis, c'est grand. Je présume que c'est grand. Donc, on va faire attention, d'accord. Ah, mais il est au milieu à chaque fois, c'est fun à chaque fois. On va pas s'en sortir. Hein. Y'a pas si on peut retourner. On peut retourner en ville en cas de. En cas de si on est, la 20, on est à la 20 certain, donc. Putain, c'est génial ces petites quêtes. T'es pas prévu, c'est une quête secondaire ça. Ah, ça, je trouve ça trop bien. Demain ça sert à rien. On cherche un truc à une main. C'est pas encore prêt. Il y avait là-bas, mais on n'a pas été. Ah, vous savez est-ce que son frère va pas devenir méchant et on va peut-être pas devoir le combattre. C'est peut-être possible, hein. Soit on va devoir le sauver, soit on va vraiment devoir le combattre. Mais je mettrai une pièce pour dire qu'on va quand même le combattre. Il va peut-être être possédé ou je sais pas quoi, mais... Ok, donc en fait, là, j'ai l'impression que c'est la suite des... C'est la suite, en fait, ici. Voilà, c'est la suite. Donc on va d'abord aller là-bas à droite parce que c'est, ça a l'air d'être facile. Très bien. Ah non, pas du tout. C'est pas la suite. La porte de fer. On a vraiment trouvé la cellule ? Non, c'est pas vrai. Là, ça veut dire qu'on a trouvé la cellule. Hein. Moi, je parie que c'est... On a trouvé la cellule. Bon, bah, écoutez, je pensais que ça allait prendre beaucoup plus longtemps que ça.
Ah oui, parce qu'il y a tout en fait. Et on dirait qu'il nous prépare pour le combat. Il y a de tout. Donc on va y aller, ne vous inquiétez pas. On va juste d'abord visiter l'autre côté hein. On va quand même visiter l'autre côté. Mais je pense quand même on va peut-être devoir le tuer malheureusement. C'est triste mais c'est une réalité hein. Je pense qu'on va peut-être devoir le tuer. Parce que je trouve ça bizarre qu'il soit là-dedans. Qu'ils se disent qu'il n'y a plus de traces de lui. Alors que normalement il aurait eu suffisamment d'espoir pour appeler à l'aide quoi. Il aurait attendu des gens un peu bizarres. Enfin des gens un peu d'autre monde. Il aurait appelé à l'aide quoi. C'est pas... Donc soit il est mort. Soit il est mort en tout cas on va devoir peut-être le tuer. Ou soit je sais pas. Ah oui, donc en fait ici il y a rien. Donc ici, quelque part. Je pense qu'il est mort. Je pense qu'on va devoir le défoncer. C'est triste mais une réalité. En tout cas on va voir. On est bientôt au niveau 29 de Paragon. Et moi je vais bientôt devoir vraiment m'arrêter là. Donc prochain point de sauvegarde, moi je m'arrête là hein. Au cas où, peu importe ce qu'il y a. Mais là les amis, je peux pas non plus abuser. Parce que là, je dois, moi, en même temps, me préparer à manger pour ce soir, pour la Nintendo Direct et tout, donc... C'est le Dead Dead. Putain. Tuer Enoch White et ses hommes, en fait. C'est lui son... Non, c'est pas lui, il aurait reconnu si ça aurait été lui son frère. Et en même temps, il aurait dû se ressembler, il se ressemble pas, donc... Et au 26 de Paragon. Niveau 26, on va mettre dans Fureur Maximum. Un point de Fureur. Ouais, bruit. Inventaire. La 113 de vitalité. Ah non, on va garder. Ah bah je vous avais dit qu'il était mort. Je suis désolé moi. À mon avis, il va peut-être même se transformer, on va peut-être devoir le battre. Rejoindre la guilde des voleurs. Il me l'avait dit, mais je n'écoutais rien. Tu n'es pas responsable de sa mort. Il a été tué avant notre arrivée à Westmarch. Cette dague m'est très familière. Alors on porte là. Je sais que c'est difficile, mais nous devons partir. Non, je pensais qu'il allait, on va devoir le retuer derrière. Oh, je suis dégoûté. Bon, j'ai quand même eu raison sur un truc. Il est mort en fait. Quand même. Tu ne dois pas te sentir coupable pour ce qui est arrivé, Lyndon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je souhaiterais qu'il ne m'ait jamais connu. Qu'il ait eu un frère digne de ce nom. Que tu luttes contre ton chagrin. Oh, et vous? La plus grande héroïne de tout l'univers, vous savez ce que c'est? Non. Vraiment. C'est une chose que vous ne comprendrez jamais. Elle a perdu Kane! Tu te fous de ma gueule! Elle a perdu Kane et l'autre! Non, mais j'ai pété les plombs. Non, mais il faut. Ah, il faut que tu répondes, toi, ma Layla. Layla. Alors, le sinon. De nature discrète, Serena. Retournez chez nous en catimini et récupérez une partie de nos économies. Mais les rues fourmillent de ces horribles créatures! C'est bien la raison pour laquelle vous devez y aller, ma chère. Personne ne fait jamais attention à vous. Oh non, mais arrêtez de parler mal d'elle, quoi. Voilà, parce que là, ça devient relou. La pauvre. Hop. Non, c'est bon. Je vais juste savoir s'il y avait un point qui était affiché là-bas. Parler le plan de Zay. Il était le plus grand des voleurs. Et il convoitait le gars. Il attendit jusqu'à ce qu'une nuit, son chemin passe derrière la lune d'argent. Dirgeste devait quitter Lyria à chaque coucher de soleil, voyez-vous, car le désir gouverne la nuit. C'est beau comme phrase. Le désir gouverne la nuit. Alors Zay commença son ascension, aussi silencieux qu'une ombre, jusqu'au palais de Lyria, au milieu du firmament. Est-ce que Zay était amoureux d'elle? Non, mais voler Dirgeste ferait de Zay une légende. Ouais. On va dire ça. Non mais assumez quoi, je sais pas. Assumez quoi. Putain, je vous jure. Aïe.
Maintenant, il paraît que ces faucheurs prennent l'âme des gens. C'est ignoble. Oui, bon, c'est un peu logique, quoi. Il y a déjà des milliers de morts. Une dizaine d'autres victimes n'y changerait rien. Oh my god, un pessimiste. Après la mort de Corellan, la couronne revint à Justinien Ier en raison d'une interprétation quelque peu alambiquée des écritures. Un fragment de pierre de l'âme. Ainsi débuta la dynastie justinienne. Perçus comme des usurpateurs par une grande partie de la population, les Justiniens virent leur règne contesté presque constamment. Finalement, au cours du règne de Justinien III, une insurrection de grande ampleur éclata dans la région lointaine de Cartolus. Kane. Je peux vous demander ce que vous savez sur Descartes Kane ? C'était un grand homme. Il méritait une mort plus honorable. Ha ! Tu m'étonnes. S'il était encore en vie, bien des choses seraient différentes. Et aujourd'hui, vous savez pas ce que c'est de perdre quelqu'un, non, mais je vais péter les plombs. Ce n'est pas le moment d'en parler. Nous avons une ville à sauver. Bien dit. La mort n'épargne personne. Ouais. Regardez, l'éclat est en train de changer. Il a changé. Mandael fait quelque chose à la pierre d'âme noire. Exactement. Il a puisé sa force dans les âmes d'Ouestmarche afin d'altérer la pierre. Cependant, son dessein m'échappe encore. Il tue tout le monde. Que vous faut-il de plus ? Nous ne pourrons l'arrêter si nous ne savons pas ce qu'il prévoit de faire ensuite. Waouh, la ville est attaquée ou quoi ? What ? C'est l'aile de la mort qui a fait ça ou quoi ? Si vous avez la référence. Urzael a fait cela pour collecter toutes les âmes restantes d'Ouestmarche. De Ouestmarche. Temps de lui régler son compte. Où est-il ? Tout ce que je sais, c'est qu'il est dans une tour quelque part sur les hauteurs de Ouestmarche. Avec quelle magnifique précision, quelque part. Avant de vous lancer, vous devriez vous arrêter à ma roulotte. Je peux enchanter certains de vos objets. Oui. Oh my fucking god, la pierre noire. Avez-vous la moindre idée de la raison pour laquelle Maltael veut la pierre d'âme noire ? J'y pense sans cesse depuis notre rencontre. Mais aucun des scénarios qui me viennent à l'esprit ne se tient, même en considérant ce que Maltael est devenu. Il doit avoir un plan, même si nous ne savons pas encore lequel. T'as toujours de taré là. Vous êtes encore souffrant. Je connais la douleur, mais je n'ai jamais rien. Par contre, qu'on me dise, on dirait pas. La mortalité change tout. Je crois que c'est Bratak. La douleur devient épuisante. C'est Bratak, c'est une ça. Sensation que les vrais guerriers le copain de Tilk. Monter. On dirait pas le Tilk, mais version Bratak. Non, mais je jurais, hein. La clémence de Maltael. Non, mais vraiment. Si vous avez la référence de Stargate. C'est Bratak, il me semble. Mortel, ok, Google. Je ne suis pas un éphalète. Bratak, Stargate. Le sang démoniaque ne coule pas dans mes veines. Ainsi, Maltael ne me perçoit pas comme son ennemi. Et nous serions ses ennemis alors que nous avons tué les seigneurs des enfers. Ça n'a aucune importance. À ses yeux, vous êtes des demi-démons, et donc dans le mauvais camp de l'éternel conflit. Oui, c'est bien Bratak, putain, je suis un dieu. Urzael. Que savez-vous, On dirait de ouf. Ouais, on dirait de ouf. Bratak sans le signe, je vous jure. Bratak avec la couleur un peu plus bronzée, quoi. Non, mais j'ai juré. Détruire la pierre d'âme. Urzael n'a-t-il pas détruit la pierre d'âme ? Ça me termine. Contrairement aux autres pierres d'âme, de Tchoulak. Celle-ci a été créée par un humain. Nous n'avions pas la moindre idée de ce qui arriverait si nous la détruisions. Il semblait plus sage de la cacher pour l'éternité. Comment aurions-nous pu savoir que Maltael nous surveillait ? Je suis sûr que c'est une référence. Je suis sûr que c'est une référence. Nous nous contenterons encore de la cacher ? Je ne sais pas. Mais mieux vaut que nous ayons la pierre plutôt que Maltael. Si on arrive jusque-là, il sera temps de s'inquiéter de la suite. Ok, est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à qui parler ? Effectivement, toi. Que pouvez-vous me dire sur Urzael ? Eh bien, il semble avoir des affinités avec le feu. Je garderais ça à l'esprit si j'étais vous. Certes, mais y a-t-il autre chose que vous puissiez me dire ? Urzael a été envoyé à la recherche de Maltael par notre ami Tyrael. Ce dernier s'en veut pour ce qui est advenu à Urzael.
que sur Mira. Dire de plus, dans une vision que j'ai reçue, la mort recouvrait tout notre monde. Donc, j'ai quitté les miens pour venir vous aider. C'est un grand sacrifice. Exactement. Justement pas. Nous autres. Quoi, comment ça? Nous recevons souvent des visions qui nous disent quand il est temps de trouver une nouvelle famille. J'en ai déjà eu un grand nombre dans ma vie, et chacune d'elles me manque. Sauf celle avec Jonah. Je ne l'ai jamais vraiment aimé. Fink. Ça fait toujours un petit truc en plus. L'échange, merci. Y'a personne qui veut parler d'autre? L'autre, elle dit quoi, là, à gauche? Y'a rien. Elle, là-bas? Non, ils sont réaffichés, le petit point. Ok, ils sont. Bah, pourquoi pas. Allez, on y va. Bah, à mon avis, c'est peut-être la dernière ligne droite, hein. Ouais, la tour de Columbus, des demoiselles de flamme tuées. C'est elle, des demoiselles de flamme. Bon, ça va, c'est, on, en fait, on est pas loin, quoi, d'avoir fini. On va quand même le faire aujourd'hui. Attention, ça a pété. Non, c'est pas ici. Ouais, à une main, mais on peut pas le faire porter par le par l'autre là. Bah, par contre, seul truc, aucune des atrocités on le met là. Auxquelles nous avons pu assister lors de nos aventures, même les plus horribles, ne m'ont préparé à cela. Ok. Demoiselle des flammes tuée. Non, c'est une introduction, celle qu'on a vu en premier. Putain, mais ça va, oui. Oh, 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 thank you. Le temps du brigand. Oh ouais, de nouveau. Le relique des ossements. D'accord. Ouais. Pas vous. Vous n'êtes pas comme si vous étiez un milliard. Oh my god. Ouais, mais moi je dois m'arrêter, moi. Oh bah... Bon, ça va, la directe est dans encore pas mal de temps, mais... Les membres d'un voilà, soldat. Quoi. Dès que ces hurlements eurent cessé, les bêtes me prirent pour cible. Bon, bon, on y va. Les familles nobles les plus anciennes d'Ouest-Marche possédaient d'imposants chiens de chasse pour garder leur domaine. Relique des ossements. On aime bien cette zone, hein. Docile de leur vivant, les faucheurs... Avec l'avocateur de rat là, avec Anne Hidalgo. Avec Anne Hidalgo. Putain, bro, je suis en gamin des fois, je vous le dis. Aïe aïe aïe, je vends une gamine des fois. La question. Ok, donc la suite c'est par là-bas, c'est sûr. Voilà qui était vivifiant. Oh. Voilà, là c'est un Hidalgo. Là c'est Paris ça, dans le métro. Même pas. En pleine journée. En plein été même. Putain, le même de rat. Ils ont quand même obtenu. Oui. De quoi? Ah! Est-ce que tu peux m'en... Mais ça m'a apporté, j'allais dire. C'est que je suis en plein de jeu, en fait, même. Ah. Je peux pas en manger, là, pour le moment facile. Mais je finis le donjon et je suis à toi. Enfin, j'y vais. Comme la foutue banane... La confiture ananas. Oh my god! C'est quoi, tout ce monde? Regardez le nombre de... remparts. Ça, ça sent bon! En plus. Sacré bleu. Ouais, mais moi je dois manger mon repas, mon sang. J'ai prévu de mon truc pour la Nintendo Direct. Ouais, je vais aller m'en chercher. Hein.
Oh, encore. Ça ne s'arrête pas, hein. Ils sont trop nombreux, les ennemis. Waouh. C'est abusé. En fait, il y a plusieurs endroits où aller. Ah, très bien, on va avoir du coup l'événement, un nouvel événement. Allez, 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 allez. Voilà. Allez, les amis, on repart. On repart. Alors, je sais pas si ça va se rejoindre là-bas. J'ai loot un adolescent cauchemar. C'est boss, c'est un cauchemar de... Ouais, bon, c'est de la merde, quoi. Enfin, de toute façon, mon niveau, c'est de la merde. À partir de ce moment... Ce n'est pas encore prêt. Ah, mais j'en veux du graffiti, moi. Ma mère m'en a donné envie, là. Ça sent bon, en plus, ça sent jusqu'ici, elle a ouvert ma chambre. Ça sent jusqu'ici, s'il te plaît. Ah, mais s'il vous plaît. Genre, en plus, je veux pas là, hein. Dès que j'aurai fini le donjon, j'irai. Non, prends pas, parce que là je peux vraiment pas mettre pause, on va dire. Quand t'es dans le move, tu peux pas mettre pause. Ok. Ouais, il nous reste plus grand chose, hein. Ben, à mon avis, c'est les dernières lignes droites là. Est-ce que ça se relie? Ce n'est pas encore prêt. Bonjour, monde d'aura. C'est bon. L'invocateur. Bon, après la suite, c'est en bas. Hop. Oh putain. Bah sachant que moi je mange. Bah après je mange tard, hein, je mange... Ça me servira pour pas santé. Niveau 30 de Paragon. Sacré bleu. Dégâts critiques. Chance de critique, réduction de temps de recharge. Réduction du temps de recharge, ça c'est bien ça. Parce que j'avoue que là, on en a un petit peu besoin aussi. Hein. Allez vous. Voilà. C'est pas spawner des rats, s'il te plaît. Merci. Oh le gobelin. Oh pour plus de l'état. Oh là il est bloqué. Oh le gangbang là. Allez, 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 allez. Bah voilà, on l'a eu. Demain on s'en bat les couilles. Ça, ça. Toi, toi, on s'en bat, on s'en fout. Ok. Ok. Le niveau 2 il est là. A mon avis, je pense qu'il n'y a que deux niveaux. Comme la fois dernière. Putain. Allez, allez, allez. Je t'ai eu. Alors je sais pas s'il va y avoir comme tout à l'heure un événement avec des choses intéressantes. Oh mon dieu, tout le nombre d'ennemis. Ok. En fait là il y a à boire et à manger en fait. Là il y a à boire et à manger. Il y a 1 milliard d'ennemis. Non mais vraiment. Tu sais quoi, on va y aller. On va aller là où il y a le... Vite. Pas qu'il disparaisse.
c'est lui. Non, non, non. Putain, il a disparu. Il va disparaître, j'ai pas le temps. Bah oui, j'ai pas eu le temps. Oh, il était au milieu, je suis dégoûté. Oh, il s'est échappé, tant pis. Tant pis. Ah, c'est lui. Putain, je suis dégoûté quand même. Écœuré quoi. Oh, je suis dégoûté pour le gobelin. Abus. Ce n'est pas encore prêt. Allez, allez, allez. Là, il y a les invocateurs de rats. De nouveau. Mon dieu. Attention, les arcanes. L'arcane peut faire mal, l'arcane fait mal, l'arcane fait mal. Oh mon dieu, mais il y en a d'autres. Il y a lui là. Oh putain. L'arcane. Tu peux pas bouger. Vite, l'arcane. Je pas. Ok, l'arcane. Oh oh. Oh merci de. Oh, il m'a sauvé. Le monstre, il m'a sauvé. Le boss, il m'a sauvé. Vite. Défonce-le. Je veux plus là. Narcan, ça va, il fait pas trop mal quand il y en a un. Non, il m'a spawn dessus. Je suis dégoûté. L'arcane m'a spawn dessus, je suis deg. Comment j'aurais pu le voir? Oh, quelle catastrophe. En plus, il était mort. Super, je viens de mourir. Putain, vraiment. Par contre, ouais, mais robustesse, ça me nique la robustesse. Après, ça me donne pas mal de récupération. Donc, on peut le faire. Et la robustesse, on pourra compenser un peu plus tard. Mon dieu. C'est quoi cette zone de merde? Enfin, cette zone de merde est bien à la fois. Voilà. Ah, c'est reparti. Bon, bah, il va y avoir un nouvel événement, non? Voilà, nouvel événement. Examiner le coffre maudit. Je vais certainement y gagner le coffre maudit, ok. Autant que ça s'active pas, c'est pas mal à con. Mais c'est impossible, les gars. Je suis à 10, quoi. Bon, le temps restant, c'est... En fait, c'est possible, mais qu'en basse difficulté, en fait. C'est pas du tout adapté à d'un niveau, là. Honnêtement, ils auraient dû faire ça plus logiquement, hein. Allez. Dégonisation. Ah oui, ils ont été cons quand même. Allez. Oui. Niveau 31 de Paragon. Ok. On va mettre en point de vie. Okay, là-haut, c'est la suite. Tu m'as fait peur, ma femme. Elle m'a fait peur jouer à un jeu en plus qui... Même dans l'action, elle m'a sauté dessus. Cette pute. Putain, m'a fait peur. Allez, je vais pouvoir profiter un peu de gâteau. En même temps, j'ai pissé un petit coup et puis après on repart. Les amis. Voilà. Là, on est un peu protégé vu que
On a éliminé les monstres qui sont ici. J'arrive les amis, je vais pisser un petit coup, prendre un petit part de gâteau que je vais mettre là en même temps que je mangerai avec vous. Et ensuite, on peut continuer ce jeu pour tenter de trouver cette putain de tour de Korean. Et qui est certainement, à mon avis, la fin de l'acte 5. Allez, d'ici là, à tout de suite. Cela au monde entier. C'est ce que nous allons faire, quels que soient les obstacles qu'ils mettront sur notre route. Bah du coup je laisse comme ça. Oh non mais du coup je suis obligé de laisser comme ça parce que je dois filmer moi. Hop. Allez. Ouf. Me revoilà les amis. La barre de gâteau est prise. Le pipi est fait. Le lavage de main aussi. Et après on va pouvoir repartir. Enfin j'ai pris même deux parts de gâteau, comme ça j'ai prévenu. J'ai prévenu. Je me suis dit, yep, si ça me donne envie d'une deuxième. Allez, on va pouvoir manger en même temps. Alors du coup, vous allez m'entendre mastiquer, mais c'est pas grave, je m'en fous. Ça fera un peu d'ASMR. De toute façon, ça vous préparera ce que je veux faire dans l'avenir sur cette chaîne YouTube. Alors, let's play, hein, certains let's play, pas tout. Mais voilà. Alors du coup, c'est parti. En même temps, je mange, hein, vous me permettrez. On avance en même temps. Je sais jouer à demain. Hein. J'arrive, j'arrive. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Aidez-nous par pitié. Donc là, ananas, c'est trop bon. Trop bon. Oh. Ah bah ça aide avec tout en fait. Voilà. Ok, j'ai fini ma part de gâteau, déjà ma première. Je veux juste vérifier si ça enregistre toujours. Vous permettrez.
Ouais, 2h24. 2h24! Ça veut strictement rien dire, j'ai juré. La deuxième barre de gâteau. C'est quoi, feu sauvage? Oula, ça... Oula, ça bug un peu là. Hop, 401 de force. Anneau légendaire. Bon, on le sera direct. On est à combien? 540. 504. Allez, c'est bien. Alors, 169, 137. Excellent choix. Et ça, c'est 104 de vitalité. On va le laisser là. Parce que finalement, c'est pas si fou que ça, par contre. 137. Ok. Bizarre que le coffre est toujours dès qu'il est bugué. Allez, parti. Il est trop bon le gâteau en fait. Il est vrai. Il est qu'à la foutible, hein. Ok. Pas bien endroit. Allez, j'ai fini. Les deux parts. On peut se remettre bien comme il faut. Let's go. C'est bien, il y a pas mal de creeps cette fois-ci. C'est ce que je voulais dans le cimetière en fait, hein. L'auberge hantée. Ah, ça fait du bien. Ok. Avec le petit record derrière, reste pas du temps, ça donne envie. Voilà, la petite pause. La petite pause ananas, ça fait du bien. Voilà, ça m'a remis un peu d'un pont. Là, je suis reparti pendant quelques heures. Pourquoi t'as fouillé l'auberge entière pour trouver des flèches à fond? Ah là! Peut-être pas comme si c'était un milliard? Y'a rien! Bon, honnêtement, je me serais bien mis Tourmaine 4 quand même, hein! Bon, non, on peut toujours pas augmenter la difficulté. Je sais pas quand on va augmenter la difficulté, mais. Oh my god! Aubergiste converti, ok. Allez. Nico. Je croyais que ça s'appelait Nijax, j'ai juré, hein. J'allais dire, c'est pas le nom d'un youtubeur, ça passe, mais. Yes! Alors, pouah ! Ah oui, ça fait mal. Hé, ça. Ah, bien. Ça fait juste un peu de dégâts, mais c'est quand même bien. 159 à 100, c'est bon. Ok. On continue. Bon, on en a trouvé qu'un pour le moment de demoiselles de flamme. J'aimerais bien en trouver d'autres. Je sais pas où ils sont, mais est-ce qu'ils sont sur notre route? Je sais pas du tout. Oh,
contre, j'ai mangé le gâteau en 3 minutes, je m'en rends compte. Ah, la deuxième. Mais bon, pour le vous, et surtout que moi, dans 4 heures, j'ai à la Nintendo Direct, donc je dois préparer mon bouffe. Oh mon dieu. Ok, oh, vient d'obtenir un truc vert, non? Dis-moi, please, please, please. Mais c'est pourri. Bon, vu que c'est lié au compte, on le mettra dans le truc, hein. Ça peut servir pour quelqu'un d'autre, donc, pour notre perso qu'on créera, donc voilà quoi, on peut se le ranger tranquillement. Mais je suis écœuré. Ah mais il veut pas. Je n'utilise pas ça. Lance-main de... Il peut utiliser que des lances à une main, des masses et haches, d'accord. En fait, il peut pas utiliser tout quoi. Ma ville. En gros, t'es chiant quoi. Bon, par contre, on va se le garder, lui. Hein. Les trucs verts comme ça, on se les garde. Hein. On les mettra dans les coffres. On va se téléporter en ville. Oh, certes, on est à côté. Mais... Oh mon dieu, mais il y a encore 50 milliards de persos à qui parler! Cela ne me ressemble pas du tout de perdre mon sang-froid de la sorte. J'ignore totalement ce qui m'a pris. Que tout ceci reste entre nous, vous voulez bien? Alors déjà, avant de faire la connerie, hein, on y va. Voilà. Je pense d'où la nécessité qu'ils ont mis 50 trucs en fait. C'est des génies. J'aurais pas dû le jeu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors, le truc qui est bien, c'est qu'on a. On a ça. J'aurais bien aimé de me les équiper à la place de ça, parce que ça, c'est bien. Hein. On en a deux. On pourrait même tenter. Hein. Bon, on les enchantera un peu plus tard sur un autre. Limite, un autre perso. Par contre, ça, c'est cheaté. Hein. Ça aussi. Hop, Emily, la peur. Je ne sais pas si je pourrais encore me sentir un jour en sécurité. Quand on sait que les anges, les démons ou que sais-je encore, peuvent tuer des milliers de personnes à tout moment. Oh, je me suis régalé avec le gâteau, j'ai joué. Ah, il était trop bon. Honnêtement, niveau le clafoutis, c'est un truc, en fait, vous pouvez vous les... Si vous ajustez bien, vous pouvez vous les déglinguer directement. Bon, moi, j'abuse un peu. Moi, mon préféré, c'est clafoutis banane. Et je mets tout le régime de banane. Donc, du coup, il me reste toujours à côté, mais... Mais un clafoutis, honnêtement, c'est excellent. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout, je comprends pas, mais moi, je kiffe quoi. La compassion de noble époux. C'est une blague. Il doit bien y avoir des tentures qui traînent dans les environs. Oh là là, le bâtard. Il est pas tendre avec sa femme, lui. Putain. Là, moi, ma femme, je m'en occupe comme pas possible. Ne tuez pas Urzael trop vite. Je veux qu'il souffre pour ce qu'il a fait. T'inquiète pas, il va souffrir. Et malgré lui. Vraiment que vous arrêtiez de me remercier. Ce n'était rien. Une dizaine de personnes m'ont vu sans faire quoi que ce soit pour autant. Vous êtes un héros. J'imagine que j'ai juste été au bon endroit au bon moment. C'est romantique. L'insurrection de Cartolus fut menée par une femme connue sous le nom de Tyra, qui prétendait descendre des fils de Rakis. Ce soulèvement fut immédiatement perçu comme le combat de l'homme du peuple contre les nobles et leur dogme Zakharum liberticide. Au plus fort du conflit, il manquera plus qu'une seule demoiselle des femmes à tuer. À mon avis, après c'est le boss. Hein. Je vous dis, à mon avis, c'est le boss final du film. Ouais, encore des salles. Ça c'est bien ça, c'est des salles qui nous mettent bien en termes de stuff et tout. Bon, je crois que le cri que j'ai attendu, c'est justement une des dames, des demoiselles des flammes. Découvrez le destin du loup. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh déjà, on va piquer tout. Hein.
permettrait. Ah, on a tout pillé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est fait. La lignée de Rakis va remonter sur le trône de Westmarch. À mon avis, ils vont tous être méchants d'un coup. On va rien comprendre. Ma mère était la fille de Corellan, mais il ne l'a jamais reconnue car sa mère était une courtisane. Et non, elle. Avec le soutien des paysans, je ferai de l'Westmarch un havre de liberté et d'égalité. La noblesse oisive et nantie appartiendra au passé. Bien sûr, du sang sera versé. Il faudra en exécuter quelques-uns pour l'exemple, consolider notre pouvoir. Un prix dérisoire pour la liberté. La dure réalité. Vous avez trahi votre roi, ouais. alors que la ville était en pleine tourmente. Ouais. Et vous croyez que les gens vont vous suivre? Bravo. Toute ma vie, je me suis... Allez, c'est parti. Ah oui, donc tout le monde nous attaque, quoi. Ah ouais, donc je l'avais call. Bon, on va d'abord tuer le là. Le mage. Réussir à tuer les mages en priorité. Hein. Parce que le mage il protège l'autre là. Allez, maintenant on y va. Allez, on va les buter. Ah, mais ils repop ces mages. D'accord, en fait c'est un combat comme un vrai combat en fait, comme un vrai boss quoi. Cette fois-ci. Il y a ses stratèges et tout. Super. Après, il faudra impérativement viser l'autre. Allez, allez, allez. Allez, allez. Putain, il restait plus qu'une seule fois. Oh, j'ai pété les plombs. Il restait pratiquement plus rien. Et... Bonjour, il y a un milliard d'ennemis. On reste concentré minimum. Hein. Allez, allez. Là, je pense qu'on peut l'avoir. On peut le tuer. Ok, si refaire respawn c'est à la con là. Allez, allez, allez. Il est au mort là. Et tombe, tombe. Niveau 32 de Paragon. Longue vie au roi, putain. Niveau 33 de Paragon. J'en suis venu à réaliser que mes états d'âme personnels n'ont pas... Ouh. Mon peuple se meurt. Vitesse de déplacement, vitesse de déplacement. Sera le premier. Et de ça, on va mettre un petit. Et dire que c'est le seigneur Winton qui m'en a fourni le moyen. Ces faucheurs n'auront pas l'ouest. J'ai vu du coup. J'en fais le serment sur ma vie. C'est bon ça. C'est pas mal ça. Ouf. Oh la mulette. Ouf. Oh le stonks. Parce que vous mettez une truc de force et dites-vous que c'est 1000 fois rentable. Hein. Oh, ça va perdre la récupération, mais c'est pas grave. Choix judicieux. Et du coup, on perd un peu de la récupération, mais on peut s'en équiper. Voilà, faut toujours varier. Voir là où c'est bien. Par contre, je perds de ouf. Il faut que j'arrête pas de la récupération. Et surtout que c'est pas trop rentable, donc voilà, c'est pas. On va vraiment pas s'en occuper. Bon, j'arrête pas d'avoir des succès depuis tout à l'heure. Je sais pas si c'est quoi, honnêtement. Au fait récent. Ramasser 1 million de pièces d'or. Attends, c'est 70, un animal avec un barbare. Remplacer une propriétaire par un enchantement. Remplir chaque emplacement de votre inventaire avec des objets de niveau 60 minimum. Donc j'imagine qu'après il y aura 70. But logic. Et ensuite, accomplir tous les événements impliquant le roi Justin 4 dans l'acte 5. Tu es Israël. Ah non, mais c'est pas fini. On a tué Mattel, tué... Ah, mais c'est pas fini, après. What? Non, mais les gars, après, moi, je dois m'arrêter, moi. De toute façon, j'aurais pas le choix de m'arrêter, parce qu'il y a la directe. Et je dois me préparer mon manger, moi, après. Ah, il y a la Nintendo Direct dans 4 heures, je dois préparer mon manger, quoi. Je pensais que ça allait être fini, après.
Mais c'est une blague? Mais attendez, mais où? Elle dure combien de temps cet acte? Mais c'est des malades? Ah, la demoiselle de flamme, c'est bien ce que j'ai attendu tout à l'heure. Du coup, on va pouvoir finir la bonus. Oui! Ok. Voir. Ok, t'as rien à débloquer là. Ah, ça, vous voyez, c'est certes, ça me fait moins de dégâts, mais c'est rentable. C'est con, hein, mais c'est rentable. Autant récupérer un peu de rubestes et de récupération. Lui, il y a moins de récupération, mais on pourra un petit peu en déduire sur l'autre truc, donc il y aura pas de problème. Donc voilà, c'est moins dramatique en soi, vous voyez. Faut vraiment faire les choses bien. Que mes parents ne soient plus là. Oh là là. Oh là là, ça commence à être à partir en couille ici en fait. Trouver la tour de Corellan. Ça commence à partir en couille parce qu'il y a 50 milliards d'endroits. Ok. Oh, what the fuck? Attendez. Qu'est-ce que. Là où ça nous amène? Ça amène un cul-de-sac ou pas? Pas du tout. Ah si! Un petit peu pas. Invocateur des morts. Bah, cet invocateur des morts, s'il te plaît. Allez, allez. Allez, s'il te plaît. Ça part en bas et à droite. Et ça nous amène où là? Sachant qu'on doit se rendre à la tour, hein. En revanche, prochain point de sauvegarde, on s'arrête, hein, je vous le dis, parce que là, moi, j'ai pas le temps après, hein, c'est bientôt 20h, voilà quoi, hein, pas bientôt 20h, c'est dans pratiquement encore une heure, mais... Oh, what the fuck, il m'a fait pas mal, ce connard. Pour moi, ça fait longtemps qu'on a pas eu de petites cryptes comme ça, là, ça serait bien d'en avoir, non? Respect de Vatel. Donc ça veut dire que la suite est par là-bas. La suite est par là-bas. Donc on va aller visiter l'autre côté, en priorité. Eh ben putain! Oh, c'est un... Je pensais pas qu'il était si long, l'acte 5. Honnêtement, putain, ils sont gavés quand même pour l'acte 5, putain. En plus, j'ai tellement de montage à faire, j'ai 23 niveaux de paragone à mettre, hein, sur le montage, ça m'en fout. Ça m'en fout. Voilà. Je sais pas ce que je voulais faire. Ah, mais en fait, ça peut venir de partout. Hein. Mais s'il y a eu le truc là-bas, c'est-à-dire que c'est là-bas, mais... Il faut encore attendre.
encore à faire. Ah d'accord, après ça, ça va là-haut, c'est bon, ça m'arrange un petit peu que ça mène à un endroit quoi. Bon, par contre, toi, peste empoisonné, super. Empoisonne en plus. J'ai hâte d'en affronter d'autres comme ce monstre. Ça oui, c'est logique. C'est logique. Je suis désolé les amis, c'est logique. Donc vous voyez ça, ça c'est rentable. Ah, il faut de la récupération, de la robustesse un petit peu. Pour contrebalancer parce que on est quand même tank, qu'il faut pas que des dégâts non plus. Ah mais ça finit pas quoi. What? Alors non. Non 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 non. Électricité et arcane, super. Donc ils peuvent nous défoncer facilement. Ok. Non, on va loin, hein. On s'enfonce dans les entrailles du truc. Hein. Ah, la tour est là. On a vu le point qui commence à s'enfiler. Oh mon dieu, le nombre d'ennemis. D'ennemis. Allez, j'essaie de t'enfiler tranquille un petit peu. Merci. Allez, non, la suite est par là-bas. Mais avant d'aller par là-bas, on va quand même finir l'exploration, non? Allez. Niveau 34 de Paragon. Les cas critiques, ça peut être bien ça. Oh, le capitaine Charlie là. On va partir là, ça m'entend. Ok, on l'a eu. Pendant que Fabrice Division m'envoie des trucs. Ok. Rien en bas. Tac. Bon, bah écoutez, la tour de Corellan. Ghoul et compagnie. Explorer les zones d'Ostmar ci-dessous. Ok. Explorer le marais de sang. Oh mon dieu, tout ce qu'il y a. Oh, tout ce qu'il y a. Je vous confirme, on fera pas tout aujourd'hui. On fera pas tout aujourd'hui. Mais il faut être fou. Tu es Israël. Donc là, nous avons le boss.
le premier gros boss cette fois-ci. Ça, c'est vraiment le premier gros boss. Mon maître a commencé son travail sur la pierre. Rien de ce que tu feras n'a plus la moindre importance. Oh my god. Bientôt. Allez. Oh, on le descend bien quand même. Il faut faire attention à ce qu'il fait. Oh, attention. Ça va, il est assez lent. Attention. Attention. Ah, ça peut faire mal. Hein. Oh, attention. On a eu, il va pas tarder à accélérer le mouvement, mais qu'il est... Oh ouais, pas mal. Tiens, ce combat est épique. Ça, je m'en souvenais, ça par contre. Ça, je m'en suis souvenu pour un truc. Ok. Oh le bâtard. Non, il le fait proche. Allez, les dice. Pas mourir inutilement, ça serait un petit débile. On a des trucs de soins en cas d'extrême besoin. Oh my god, il m'a fait très mal avec son lance-flamme là. On va y arriver. Il lui manque pratiquement plus rien. Il lui manque pratiquement plus rien. Et il est mort. Oh yeah. Point de sauvegarde atteint. Oh. Oh. Bah voilà, vous avez vu, ça compense un peu. Merci à vous. Et ça. Notre transmo. What? Ok. Ok, ok, ça peut être intéressant, mais on va quand même le garder. Faudra pas le jeter. Bon, on a obtenu un point de sauvegarde. Donc on peut s'arrêter là. Néphalem, je vais mettre un terme au conflit. Et dans la mort, nous connaîtrons la paix. Soyez maudits. Et on va pouvoir s'arrêter là. On a obtenu un point de sauvegarde de toute manière. Il y a marqué point de sauvegarde. Donc on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouf, on fera du coup la reste de cet acte. Dans l'épisode prochain, si je dis pas de conneries, vous avez obtenu Israël, point de sauvegarde atteint, donc logiquement, quitter la partie, bat logic, d'accord, ok, bat logic. Après, je vais bientôt pouvoir préparer ma bouffe là. On est Paragon 34 quand même. Héros. Niveau de Paragon. Allez, on joue normalement. But logic. Bat logic. Normally. Bah, c'est ça, marqueur de quête, ouais. C'est bon, ça a conservé. Et du coup, la tour de Corellan.
Bon bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour cet gros épisode numéro 25, si je dis pas de conneries, de ce Let's Play 100% sur Diablo 3 Reaper of Souls. Dans l'épisode prochain, enfin Heroes of Necromancer, machin chose. Dans l'épisode prochain, tout simplement, on parlera, enfin on continuera hein, évidemment cet acte 5. Il y a encore pas mal de choses quand on a regardé dans les hauts faits, hein. On peut voir qu'il reste quand même, voilà, tu es Israël, mais du coup il y a deux gros boss à tuer, hein. Il y a Adria et tu es Mataël, sachant que du coup ben on a les différents trucs, hein. on a les différents cimetières, la cryptologie, mais on n'a pas tout, mais c'est un peu normal, mais voilà, donc on a plein de choses, sachant qu'il faudra explorer, du coup on a une nouvelle région à explorer, c'est celui-là, et voilà, on a deux trucs, donc à mon avis qui correspondront du coup aux deux aux deux boss. Donc à mon avis du coup pour le prochain boss qui à mon avis est peut-être Adria, sera certainement Adria, je verrai plus dans le marais du sang. Donc voilà, et puis après à mon avis Pandarium, ça sera le tout dernier où il y aura Mataël. Donc voilà, j'imagine hein, mais je pense que ça sera un truc comme ça. Donc du coup ben, on pourra s'attaquer à la prochaine zone. Dans l'épisode prochain on va peut-être faire ça en 3 parties ou 2, ça dépendra, je sais pas comment je vais gérer ça, mais on va peut-être faire en 3 ou 4 parties, ça dépendra de comment j'arrive à gérer ça. Et du coup ben, d'ici là, portez-vous bien, encore merci de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 25, et dites-vous que du coup le prochain épisode pourrait être à la place d'un Hyrule Warriors, d'un Arceus, d'un... Voilà, il peut arriver à toute heure, on va dire, toute heure. Et du coup, bah, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace!